Haïti, son bon café d'histoire. Haïti, je m'adore. Travaille avec amour, travaille avec elle.
Il va travailler comme si pour moi, pour moi connaître, même faire pour payer nous, d'avoir ça toujours en même. Et fier de la voix, et moula de la voix, et voulait aller avec la voix. Vous imaginez? J'ai un état dans ce qui a organisé ça à ce moment-là. Et avant de partir en France, elle fait connaître comme celle pour lui. Elle est l'espoir la première, elle est venue. La finale de Batara, on le fait aussi pour la manger, ouais. Il fait la belle tournée, belle passe. Mais il est beaucoup chez la belle chose. Mais à ce moment-là, on aime, ça vient de la faire. Il y a un petit peu de temps, c'est qu'il y a un petit peu de temps. Et quand il y a un petit peu de temps, il veut nous souhaiter toujours le meilleur. Tellement cela. J'ai dit non, les remèdes. J'ai toujours aimé tout le monde, toujours les remèdes. Même si avec tout le monde en fait, ils ont mis beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps. Maintenant, je m'attends à mon maquonné. Gardez du bon remède. Parce que j'ai eu fait mes enfants, ils étaient bons à mon goût, tout le monde. Et monsieur, c'est certain. J'ai un peu continué à travailler avec le Bawel, parce que j'ai eu mes enfants. Mais si ça entend le capitaine qui s'est passé là, ça s'est déjà arrivé. J'ai vu son monde qui mourit. Ah, il dit que le milieu qui. Mais si ça là, si nous avons un jour, et il faut passer pour le mettre là, ça. Pas qu'à mon but. Oui, imagine. Moi pour moi, après 15 ans, moi avec lui, il va parler sur ce qu'il est passé. Après, maintenant, moi, là, j'arrive à lui. Mais nous voulons aussi rendre un bel hommage à Jean-Yves, qui était vraiment un grand monde, un monde exceptionnel. Alors, en préparant un discours, mais en préparant anti-litanie en français pour que tout le monde qui est là que ça peut comprendre le message là, ça m'a mis, ça m'a senti pour Jean-Yves. Parce que en plus, Jean-Yves c'était un haïtien, mais c'était mon à tout le monde. Donc c'était mon à dominicain, mon à saint-martinois, mon à français de France. C'était mon atout pour nous. Franchement, petit ou grand. Donc, en préparant des petits mots pour nous, mais il y a encore ça. Nous sommes tous là aujourd'hui pour rendre hommage à notre regretté Jean-Yves. Nous savons tous famille, amis, collègues, que Jean-Yves avait le drapeau gravé dans son cœur. Son pays, sa communauté, avait toute la place dans son cœur. Alors, malgré toute la douleur qui nous étreint aujourd'hui, soyons heureux de lui rendre un hommage aujourd'hui, en ce 18 mai 2024. Fête du drapeau haïtien, fête de la nation haïtienne. Nous gardons de Jean-Yves le souvenir d'une belle personne, très attachée à sa culture, à sa communauté. Un collègue formidable, toujours souriant, toujours disponible. J'étais véritablement au service de tout le monde. À ta pensée que ça, comme on ne t'a pas dit, allez, c'est ça. Vraiment, Jean-Yves, c'est ton morceau frère. Alors, Jean-Yves, je suis fier de t'avoir connu, fier d'avoir croisé ton chemin en 2006, date à laquelle a commencé notre collaboration.
C'était quelqu'un d'exceptionnel, impliqué dans tout ce qu'il faisait. Il avait le cœur sur la main. Alors, était-ce dû à son parcours au service de l'Église, que il y en a beaucoup qui le savent, que depuis tout petit, Jean était là, déjà commencé ses démons, ça a commencé l'Église, et sa forme était naturelle, on y est naturel, en façon d'être qui est naturel. Et on a pensé que c'est pour ça que nous tout le monde là, autour de Jean-Yves, en la mémoire de Jean-Yves. Homme de communication, comme émission Haïti Chérie était Facebook, nous manque déjà. Nous ne te verrons plus sur les écrans. Tu ne captureras plus avec ton appareil photo ces moments de convivialité que tu partageais avec tes collègues. Toutes ces photos prises dans le bonheur qui nous ravissaient tous. Jean-Yves fut une figure incontournable dans le paysage de Saint-Martinois. Et que nous soyons dans une peine, et bien que nous soyons dans une peine profonde, nous sommes heureux tous aujourd'hui d'avoir croisé ton chemin, d'avoir partagé ta vie, heureux d'avoir vécu des moments précieux avec toi. Tu laisses un grand vide maintenant, et ton départ si brutal nous rappelle la triste réalité. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Jean-Yves, tu as fermé partout autour de toi, partout où tu es passé, de l'amour. Et ton passage sur cette terre nous invite à faire de même. Aimons-nous, soyons solidaires. Partageons cette joie dont tu rayonnais tant que nous le pouvons. Partageons cette joie tant que nous sommes vivants. Alors, je tiens, avec toute la direction de Chant Caraïbes Global Cancer, au nom de tous ses collègues de Saint-Martin, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, à présenter à toute sa famille, particulièrement à son frère jumeau Jean-Marie, son fils Yves-Jean Junior, sa fille Maëlie, sa compagne Anaëlle, son ex-épouse Evelyne, et à tous ceux qui ont connu et apprécié Jean-Yves, nos plus sincères condoléances. Jean-Yves n'est plus à nos côtés. Désormais, son souvenir sera comme un phare, une lumière, esprit communautaire, collaborateur, homme de confiance. Ça, c'est quelques mots qui ont servi pour décrire, amis, nous, chers collègues, nous, messieurs Jean-Yves Messalin. La ville est définie par compassion et un amour exceptionnel pour le pays et pour la communauté. Travail, action, parlez pour tête. Jean-Yves a dédié des techniques à tout qu'elle pour améliorer et amuser la communauté. Il était toujours prêt pour bailler toute main, sans hésitation, pour un pile monde. Il était plus son ami, il était plus son collègue, il était plus son camarade. Personnalité, c'est permettre capable de river toucher en pile monde dans la communauté à travers des plateformes liées. Il était là pour former, informer et motiver la communauté.
lui t'est devenu la voix plus confiable dans la communauté. Depuis Jean-Yves pas annoncé jazz là ici, pas bien balle. À soi. N'a pas avec absorption. Et spécial aujourd'hui. Hein. Ça c'est la chose là. Dans journée de drapeau ça, on honore les mémoires, on continue le travail. On nous servit mémoire comme exemple et prend un engagement pour porter la communauté à Pigo. Et pendant la commémorer contribution exceptionnelle, grand homme ça, on nous traduit admiration pour lui, on nous action. On nous cultive un changement tangible, même Jean-Claude. Jean-Yves, moi fier, pour vivre, moi tes amis, ou tes amis, ou tes collègues, moi, collègues des associations et conseillers. Merci pour conseiller, merci pour charger tout, et merci pour tout ce qu'on fait pour la communauté. Au nom des fondations Les Sommets, et association haïtienne sous côté hollandais, PASMA. Rest in peace, my dear brother. Until we meet again. Une dernière fois, je vais encore. Une dernière fois, je vais tenter encore. Une dernière fois, je vais survivre. Une dernière fois. Les patrons finis sous terre ça. Très souvent on a vu chez manger chez. Allez Dieu pour moi. Que personne monde va pas remplacer. Allez Dieu pour moi. Que l'union fait la force. Et depuis son pas besoin de changer. Allez Dieu pour moi. Qui haïtien c'est matinois. A toujours été vive, mais dans la mer. Allez, Dieu, pour moi. Que je tiens à nous mettre plus force. Pour que quand qui j'en me sentir triste. Pour tomber, une belle du courage, sur moi. M'affecter. C'était un frère. Un leader, nous pas besoin de moi. Son héros,
voyage, mon frère. Taler, parce que depuis 14 ans, nous avons un président, collectivité, pas pour que nous commentions l'Iran et Haïti, parce que Haïti fait fierté. Tout le monde. Il dit nous que Haïtien bâille liberté à tout noir. On va aller plus loin que ça. En 1789, la France déclarait liberté pour le monde. Mon idée par les autres, c'était blanc. Mais si c'est du blanc, c'est pas blanc chaud, même les amis ont pas la donne. Mais nous-mêmes, avec bataille 1803, du 10 novembre, avec drapeau que nous créons, avec indépendance que nous prenons le 1er janvier, nous déclarons que c'est tout le monde qui est libre et égaux. Pas oublier, pas que personne ne peut nous croire, nous inférieurs à eux. Nous baillons avec le monde entier. C'est le seul pays qui déclarait que tout le monde est monde et son fier pays. Et il faut qu'on reconnaisse. Même si nous rencontrons des tribulations, nous rencontrons des difficultés dans la nous, mettons tête nous, nous avons bien bon et nous avons bien plus bon que nous avons dans notre pays. Nous ne sommes pas capables de faire mentir pour nous bon. Faut que chaque monde solide à l'autre. Faut qu'on prenne exemple Jean-Yves. Faut qu'on servir comme modèle. Pour nous dire quel genre de côté nous y est. Faut qu'on parle d'Haïti. Faut qu'on monte le drapeau haïtien bien haut. Tout en respectant le drapeau de l'autre monde. Notre solidarité avec mon avis pour côté de l'autre. Nous voyons comment le président collectif de la. Et apprécié Haïti et nous voyons comment nous-mêmes tous nous apprécié le président collectif. Continuez à vivre avec elle, continuez à vivre avec la communauté de nous pour nous capables d'avancer. Frère Seigneur, nous devons rester malgré la fiable à tomber, malgré mouiller encore quand même, nous devons nous rendre un dernier hommage avec Jean-Yves. Parce qu'il méritait. Il était ici la communauté, il était ici la consulat. Chaque monde dans le consulat qui conduit une masse. Ce matin, je n'ai pas confiance aux gens qui ne sont pas au frio, à aller manger, à boire, à aller parler d'Haïti. Il était confiance à son dernier, mais Haïti chéri parle là. Haïti chéri parle loin. Si nous avons besoin, nous grandissons, et si nous avons besoin, son jeune Jean-Yves, remet Haïti, remet de la bonne, remet pays nous. Et c'est pourtant ma petite à la famille Jean-Yves. La personne qui incarne l'amour, la patience, la bienveillance, le respect, la justice et la bonté. La perfection n'existe en personne. Ce n'est que Dieu le sait. Mais il existe aussi des hommes à travers qui que Dieu travaille pleinement. Notre cher ami Jean-Yves Marcelin était un homme de caractère, d'intégrité, de croyance et qui était un militant, un solidaire, fraternel et juste. Le mot ne suffit pas. Nos larmes et nos soupirs non plus. Mais c'est à travers la mémoire que nous pourrons faire vivre et revivre ses bienfaits. Jean-Yves Marcelin a laissé une empreinte sur chacun de nos cœurs. Il a laissé un chemin que nous avons le devoir de suivre, d'améliorer, d'honorer et bien sûr poursuivre. Mes amis, bien que nous puissions contrôler beaucoup de choses, promets, devoirs, acheter, échanger,
Mais il y a qu'une chose que vous ne pouvez pas contrôler, c'est le temps. Nous ne savions ni quand, ni comment, et même on ne saura plus. Et il en de même pour nous tous. Cette vie que nous vivons est courte, mais elle est pleine. Jean-Yves Marcellin nous a montré à quel point que vous pouvez faire bon usage du temps que Dieu nous a accordé. Mes frères, mes sœurs, mes amis, mes compatriotes, unissons-nous avec vos frères et vos sœurs, vos collègues, vos amis. Partageons, instruisons, apprenons. Faisons ensemble l'usage d'une bonne inspiration. Faisons ensemble les modèles que Jean-Yves a laissés pour nous, pour être toujours fierté et qui nous remplissent à son égard. Rappelez-vous que nous sommes tous capables de faire la même chose. La vie est courte, la mort est longue. On a toujours tendance à donner plus d'importance à la mort qu'à la vie. Vous attendez toujours que la personne parle pour dire « il était, elle était ». Mais prenons, mes frères et sœurs, l'habitude d'apprécier, d'honorer quelqu'un à son vivant. Soyez tolérants. Quand vous avez un petit problème, discutons. Jetez l'eau et passez les planches. Aidez vos prochains comme tout le monde pouvait le faire. Et surtout, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous croisez quelqu'un, faites un sourire. Parce que votre sourire peut sauver une vie pendant une journée. A pleuré, mais aussi c'est Haïti qui a pleuré. Parce que Jean-Yves a quitté nous Haïti, il vient vivre ce matin. Il est arrivé ce matin, il vient une famille qui tellement accueilli lui, il est tellement dévoué pour lui, il ne sait pas qu'il tourner Haïti encore. Malgré l'aide tourner Haïti, c'est pour lui prendre l'image, pour lui prendre l'autre bagage, pour le mener sur Zélé, ça qui a accueilli lui, qui c'est ce matin. Alors, les pas qu'à aller lui faire venir, venir, faire connaissance avec nous. C'est ça que tu vois dans le premier voyage que j'ai fait d'abord ici, pour te remettre moins nous-mêmes, qui c'est la deuxième famille que j'ai gagné depuis la sortie à Haïti. Il était allé et Martinique, après Martinique, il est entré Guadeloupe. Et de Guadeloupe, il est entré Saint-Martin, il est vivre. Moi, avec nous séparer depuis 1994, côté, il était entré et Martinique pour étudier agronomie. Et puis moi-même, j'étais entré Santo Domingo pour étudier la médecine. Après ça, nous finis, il n'est pas retourné.
de jouer la joie pour te vivre bon ici. Mais ce qui m'a dit, c'est que Jean-Yves t'a montré nous, Vili pas longue. Vili, c'est un bagage que nous devons jouer. Et il a fait ça ensemble avec nous tous, qui nous sommes matin. Moi, je vois qu'il y a la joie dans nous-mêmes. C'est ça qui fait assurer à la. Les gens qui sont tout partout, famille pas moi, qui sont aux États-Unis, maman adoptif Jean-Yves, qui accompagne nous et Josia là pour venir dans veiller Jean-Yves. Ce matin, Jean-Yves pas mort, Jean-Yves pas mourir, Jean-Yves là. Il est là avec nous et là dans le fond que moi, et à chaque fois nous, ouais, et moi, c'est Jean-Yves nous. Il te travaille pour Zilea, il te travaille, il te toujours dit moi. Mais ça t'a remis. Il t'a remis que tout haïtien qui n'a ce matin fait un seul. Toute association qui est sous Zilea, ni sous partie hollandaise, ni sous partie française, il te voulait pour faire un seul. Les fêtes drapeau comme ça, que tout haïtien réuni, côté nous avons un seul drapeau, un seul pays. C'est ça que t'a voulait. Il devait Haïti changer tout. C'est ça fait l'hypothèse, non, Haïti chéri. Et Haïti a été dans le cœur. Drapeau a été dans le cœur. Il pas de jambes de changer le drapeau, il pas de jambes de faire l'autre bagaille que c'est Haïti qui est représenté. Il était un ambassadeur pour Haïti. Il était un ambassadeur pour le monde entier. Matin, pour Prince, il a pleuré Jean-Yves qui est parti parce qu'il était fait un temps. Il t'a vu ce matin, et pas au prince. Mais ce matin, lui-même, il sentit que c'est tout lui-même qui partit. Parce que Jean-Yves t'a gâté nous en pile. Jean-Yves t'est là avec nous. Pour tout ceux-là qui t'a remené, qui t'a remené Wally, qui t'a remené, elle a passé, elle a présenté sous scène. Vous dites qu'on a des funérailles pour présenter maman, papa, vous dites là qui était en juin de Jean-Yves, je dis que vous avez un bon choix, vous avez joint ça. Mais pour ceux qui n'ont pas joué le service de Jean-Yves, je dis que malheureusement, c'est tout à l'heure, il parti, il a quitté. Alors, à ce moment-là, événement ça arrive possible. J'ai les mots de remerciement pour. Et maintenant, ça arrive possible, c'est grâce à la collectivité territoriale de Saint-Martin et le président Louis. Oui, c'est une tonne d'abord. Ouais. C'est une tonne. La préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le consulat général d'Haïti en Guadeloupe, Global Transfert, c'est une maison que Jean-Yves a adoptée. Il y a un pile lot off pour aller de l'autre côté. Mais il dit que Global Transfert est accueilli, il ne pas font pas. C'est vrai, l'autre côté, il n'y a pas peut-être bon travail et meilleur de lui-même tout pour l'autre compagnie, mais l'autre maison. Qui était accueilli et qui était voulu pour travailler avec tout. Mais il dit Global Transfert, c'est la Kaili. Si vous m'avez pour le VT, c'est la petite. Et Global Transfert, toujours avec Jean-Yves dans toute émission. J'y vais à Haïti Chéri, Haïti Chéri. Et puis dans Cast TV, il était toujours là à épauler Jean-Yves. Nous disons Global Transfert, merci pour ça. Et je dis à la main arrivée présent là. Avec nous parce que moi je n'étais pas arrivé là parce que route Haïti bouché, Haïti fermé, Haïti pas un pays qui est l'autre monde capable de venir ou bien monde qui est capable de sortir. Mais Jean-Yves ouvre un chemin pour moi, il voyait la collectivité, même la collectivité, Martine, tout le monde, il cherchait un papier, il fait entrer là. Parce que le visa pour nous venir là, il finit et moi je ne suis pas sorti à Haïti. Mais heureusement, c'est moi-même là, je ne sais pas ce que j'aime faire là.
Nous mettons de gloire parce que c'est lui-même qui permet que moi vienne pour me parler avec nous. Et pour nous, Jean-Yves, qui a parlé avec nous tous. Parce que c'est Jean-Yves nous. Jean-Yves, c'est moi-même, moi c'est Jean-Yves. Par contre, je ne sais pas si ce matin, après, on a souhaité pour parler avec nous. Et puis nous, vous avez vu le calipois. Il était mis ça, et si on va traverser lui, il dit vous dites ça. Mais malheureusement, il pas voulu mettre tristesse dans le cœur. Il pas jamais dit moi qui ça a gagné. Pendant 2 mois, malade là, il a toujours dit moi, non, mon cher, ça va passer ta mère. Ça va passer. C'est tout petit. Ça fait, occupé. Tout va passer normal, mais puis après, tout est qui n'a pas. C'est juste que l'elle va mourir. Hein. Et Evelyne. Fais-moi la vidéo. Moi, j'ai au moins 2 mois, pas de jambes. Il n'y a pas de jambes de montrer mon visage parce qu'il était maigri en pile. Maladie a été venue pour te laver. Malheureusement, il était allé à l'hôpital Saint-Martin. Il a vu Guadeloupe. Il a vu que ce n'est pas le cœur qui a son autre problème. Il a dit que Saint-Martin n'a pas pu résoudre ça. Il a tourné, il connaît ce bail normal, il a pas eu de gloire, il est content. Et puis, maladie a continué avec 2 jours. C'est comme ça, et nous faisons effort, nous faisons transfert à la police et à Paris. Malheureusement, il n'a pas même été fait traitement à Paris. C'est vrai, il fait toute analyse qu'il a gagné, mais les pays ont fait traitement et chimiothérapie pour lui. Malheureusement, il a dit. Car son cas perdu. Alors, c'est comme ça, Jean-Yves était allé pour te retourner dans ce matin, il n'est pas tourné. Mais à ce moment-là, je suis présent avec nous, il m'a force pour me camper là avec nous, et il dit nous, ce matin, tout nous-mêmes qui là, pas crier, parce qu'il paraît, mais ouais, on a crié. Il était un musicien, il était de guitare, depuis qu'on prince Haïti, il était à l'école ensemble. Il était qu'on apprend de guitare, il a chanté, a dansé, toujours avec tout le monde, avec tout le cœur, avec toute joie. C'est un monde, nous sommes dans le service, il n'est pas capable. Mais il ne peut pas refuser aucun monde dans le service. Commandez-le. C'est parce que je dis ça. Ou même, service pour la carité qu'on y a la main. Puis devant, et l'autre monde a besoin de service, bamba au service. Merci. Merci. Le malheur de l'avoir perdu ne doit pas oublier le bonheur de l'avoir connu. Zami, Jean-Yves Marcel, c'était mon frère, c'était mon petit frère. Dans l'association Les Arts, nous passons un plus bel parcours. Et c'était toujours des parcours sans faute. Dès là, je travaille au sein de l'association Les Arts. Jean-Yves, comme président, il était toujours là pour dire nous, mais comment on a fait ça? Joseph, ici. Fondi, ici. Chaque monde fait son rôle. Il était toujours prêt pour faire affaire convenablement. Chaque fois, la fond bagaille, Jean-Yves, ah, c'est pas passé, nous pas prêts ici. On dit, ah non, attends. Mais comment on a fait? Jean-Yves, nous pas de l'argent. Ah ouais, mais on est, on va aller voir le patron, on va aller voir le global, nous avons des trois sponsors, on a organisé nous, ça a marché. Alors, Pierre témoin, on va pas oublier, amitié moi avec Jean-Yves. À monsieur Association Les Arts. Maintenant, tout a été dit. Tout pour nous parler, on dit tout ça qui est vraiment nécessaire. Maintenant, ça n'est capable d'offrir nous. Et tout le monde qui t'a aidé nous pour réussir soirée ça, nous pas capable d'oublier. Même si nous sommes vraiment ingrats.
Mais, comme dit nous, Jean-Yves, son Ève, qui a continué. Nous ne parlons pas de Jean-Yves qui mourit. Parce que tout ça le fait à suivre tout reste fini. Alors aujourd'hui, on a remercié toute l'équipe qui rend animation ça, qui rend grande célébration ça, qui réunit tout le monde ça. Nous voulons remercier en premier lieu la collectivité de ce matin. Dans les Bodios, M. Louis Monsignon, le préfet Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui nous ont aidé nous, pour nous être capables de gagner Jean-Marie ici avec nous. Merci. Merci à Global Transfer. Global Transfer. Merci. Merci à Global Transfer. Merci à Hervé Dorville, merci à Franck Biotti, merci à Omega, merci à l'association BIS de la partie hollandaise, tirée de la paroisse de Saint-Martin-des-Tours, association des pasteurs, l'église nazaréenne. Donc merci à Maître Cérémonie qui font un travail sine qua non. Mandez-nous pour nous applaudir très fort pour moi. Monsieur Oudi. Merci Oudi. Vous faites un travail vraiment qui ne va gagner aucun rival. Tout le monde est au pied de nous. Étant comme vice-président de l'association Les Arts, chaque fois nous pouvons vous chou, nous disons Les Arts, je dis nous présents. C'est vrai? Même si j'ai déjà parlé de eux, Jean-Marie parlait de eux, mais assez souvent c'est moi-même ou des arts